Toi, tu es un des skippers de Joshua. Et comment s'est passé ce week-end? Très très bien. Nous, ce qu'on aime bien, c'est aller dans des événements un peu familiaux, pas des usines à gaz. Et puis montrer le bateau à des gens, même souvent, qui ne viennent pas spécifiquement pour le bateau, mais qui ont la surprise au détour d'un produit. Ils font « Ah, mais c'est le bateau rouge, là, je le connais celui-là !» Et c'est vrai qu'à chaque fois, ça nous fait des rencontres géniales. On a des fois des gens qui étaient à Tahiti à l'époque de Moitessier et qui ont vu Joshua ou qui ont eu une expérience qui nous raconte, ou des gens qui ont lu La Longue Route quand ils avaient 12 ans et qui, depuis, se sont mis à faire de la voile. Enfin, on rencontre plein de gens avec plein de belles histoires. Et en plus, on passe un week-end dans un endroit juste magnifique. Avec la meilleure place sur le port du Bonneau. Ah bah ouais, là, on est royal ici, ouais. On n'a pas à prendre l'annexe pour aller au bateau. Voilà. Au bateau. Et donc, vous avez participé un peu aux festivités? Un petit peu autant qu'on pouvait, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui voulaient voir le bateau. Ouais. On n'était pas trop de 5 à bord samedi pour répondre à toutes les questions. Mais on a réussi à y aller un petit peu quand même. D'accord. Et vous faites beaucoup de navigation avec Joshua? Joshua navigue à peu près 150 jours par an, plus ou moins. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme, oui. Au port de La Rochelle, la moyenne, c'est 3 jours. Donc, on fait bien remonter la moyenne. Mais ouais, on fait beaucoup de sorties. Donc, au départ, Joshua est basé à La Rochelle. Donc, au départ de La Rochelle, des sorties à la journée, sur 2 jours, 3 jours, en fonction des marées, en fonction du programme. Mmh. Parfois plus longtemps. Il y a une année, la première fois que moi, je suis venu au Bonneau, c'était une navigation 10 jours qui avait été organisée par des équipiers en fin de saison. Et on est venu au Bonneau voir la tombe de Moitessier. C'était le but de la navigation. D'accord. Et sinon, on vient à des événements comme ici au Bonneau. Et donc, les équipiers sont des adhérents de l'association? Ouais. Dit autrement, il suffit d'adhérer à l'association pour naviguer sur Joshua. Ouais. On ne demande pas de niveau de voile particulier. On a un chef de bord de qui on attend un certain niveau. On a un second dont on attend un certain niveau aussi. Mais tous les autres équipiers, le chef de bord et le second sont suffisants pour naviguer sur le bateau. Ouais. Après ça, on adapte le programme. Si on a plein de gens compétents à bord du bateau, on va pouvoir mettre le spi, aller tirer plein de bords, etc. Si on n'a que des gens qui sont là pour juste admirer et qui ne sont pas à l'aise sur un bateau, on va tirer un bord vers un mouillage, prendre bien notre temps pour manger et puis faire un autre bord pour revenir. Quoi. Donc beaucoup de navigation, des belles navigations j'imagine. Ouais. À chaque fois, au début quand je naviguais sur Joshua, je m'attendais à trouver un certain pourcentage de cons. Et au bout de quelques navigations, tu te dis, mais ils sont où? Statistiquement, ils sont où? Il n'y a que des gens géniaux. D'accord, ça c'est pas mal. Ouais. Ouais. Bah, j'imagine que c'est des gens qui ont envie de naviguer sur Joshua. Joshua attire un certain type de personnes. Ouais. Oui, bien sûr. Mmh. Oui. Donc ça limite. Ça limite. Ok, écoute, merci bien. Avec et plaisir. Et puis, vous repartez là tout à l'heure pour La Rochelle, ouais, un peu sous la pluie malheureusement. Ouais, bah, on va faire avec. Hein, c'est la Bretagne. Si on arrive à avoir un peu de vent pour mettre un coup bien de pluie, sûr. Ça sera génial. Ouais. Ok, bah bon vent donc. Merci beaucoup. Merci.